Paloma, qu'as-tu fait? Mais, Pablo... Dis-moi la vérité, Paloma. Mais je te croyais mort, Pablo. Je suis avec Pedro maintenant. Ah, je le savais. Pourquoi as-tu fait croire que tu étais mort? Ben, parce que j'avais pas le choix que de faire croire que j'étais mort. Oh, Paloma, reprenons notre vie d'avant. Pablo, je t'ai aimé, mais c'est Pedro que j'aime maintenant. Le mal est fait. Nous nous marierons dans 3 jours. Mais je ne suis mort que 5 jours, Paloma. Pourquoi? Putain, la salope. Un livre édité chez Plon. Nous recevons également aujourd'hui Paul Demer qui sort cette semaine le livre Apollo. Enfin, mais les écrivains, même jeunes, ils font vieux en fait. M'intéresse. Bonjour, je suis ravi d'être ici. Je comprends pas comment tu peux kiffer ce genre d'émission. C'est un pamphlet. Ah bah, toi, forcément, s'il y a pas un peu de cul. Notre pays, je sais pas, du cul. C'est du sexe. Oui, la politique. Le sexe, c'est bien. Prenante sur notre société. C'est une science exacte. Il est assez curieux. Ah voilà. Ouais. Bah, toi, c'est la science et puis moi, c'est le reste. Depuis plus de 60 ans maintenant, voire plus. N'empêche que moi, je te dis qu'on peut apprendre plein de trucs grâce au sexe. Oui. En le pratiquant. T'as peut-être de la culture, mais est-ce que tu sais combien il mesure le plus grand godemichet du monde? Non. 70 cm. Mais c'est bien, mais ça me sert à quoi, moi, ça? Est-ce que tu sais combien mesure un intestin humain en moyenne? De 7 à 8 mètres. Ça constitue la surface d'échange du corps humain la plus grande, l'équivalent de 2 terrains de tennis. Ouais. Ok. On peut perdre jusqu'à 200 calories si on copine en moyenne 30 minutes par jour. On n'utilise que 10% de la capacité de son cerveau. Enfin, en moyenne. Environ 70 millions de personnes regardent du porno actuellement. La Grande Muraille de Chine s'est construite à peu près 2000 ans de travaux. On a déjà tourné un film X en apesanteur. Eh ouais. Tu vois mon gars, on peut apprendre plein de trucs grâce au sexe. Ouais. Mais enfin on apprend quand même mieux en pratiquant. Crème. Ah ouais mais là... Ah bah si, non mais là oui si, crème. Ouais. Dans l'histoire de secret, un reportage exceptionnel sur l'histoire de la sexualité, à travers la littérature du XVIIe siècle. T'as la culture, c'est cool.